Et salut tout le monde, c'est Aiolia, bienvenue sur Aiolia Passion Gaming. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon épée sur Nintendo Switch. Je n'ai pas ouvert ma bouche dès le début puisque vous avez vu, il y a direct des commentaires, etc. avec une petite intro, histoire de présenter le héros de Galar. Donc j'ai décidé de me taire et donc j'en profite pour commencer à causer maintenant. Donc là, Pokémon épée et bouclier, hein, on a l'habitude, hein, Game Freaks, ils savent utiliser la licence Pokémon jusqu'à l'user à la moelle. Et donc on a deux versions différentes. J'ai depuis toujours attendu avec impatience un vrai Pokémon. Quand je dis vrai Pokémon, c'est un RPG Pokémon, sur une console de salon Nintendo. Ce qui n'est jamais arrivé. En tout cas, pas comme je le souhaitais. Et là, c'est le vrai premier Pokémon sur Nintendo Switch, en sachant qu'il y en avait déjà un avec Evoli et je sais plus qui voit la deuxième version, qui n'était pas forcément un RPG comme Pokémon comme je l'entends moi. Donc du coup, épée et bouclier, pour moi c'est le vrai RPG Pokémon sur console de salon. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve dessus. Et c'est parti, Nabil qui m'appelle, yo. T'as un nouveau téléphone, Aiolia ? Il y a classe ! Oui, parce que mon personnage s'appelle Aiolia. Et tu peux mater le match de mon frangin avec ? Trop bien ! Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pose Dracaufeu, hein ? Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est gentil, le grand jour ? Voilà. Si je rajoute des mots. Ah, bonjour, madame. Ouais, c'est pour ça, j'ai couru pour... Ah oui, pour venir chercher Aiolia. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison de toute façon. Allez Aiolia, viens. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, madame. Alors, premier constat techniquement, même si c'est encore un petit peu tôt pour faire un bilan là-dessus, l'intro dans le stade, c'était quand même pas folichon. C'est énormément flou et seuls les personnages mis en gros plan qui étaient détaillés. Bon, après, voilà, c'est une Nintendo Switch, on peut pas dire que ce soit un foudre de guerre, même si certains jeux sont quand même relativement magnifiques, notamment Super Mario Odyssey par exemple. Nabil te l'a bien dit, n'oublie pas ton sac. Si tu le cherches, il est dans ta chambre. Prends ton bonnet aussi. Parce qu'un dresseur Pokémon sans bonnet, ça n'existe pas apparemment. Enfin, c'est très rare. Surtout dans les jeux Pokémon en fait. Là, tous les héros qu'on choisit, ils ont un bonnet. Vous avez le choix entre 8 personnages, je crois. ABC Aventure, ouvrez le menu principal avec la touche, le bouton X. Via le menu, vous pouvez sauvegarder votre progression ou bien encore consulter la carte pour connaître votre position et l'endroit où vous devez vous rendre. L'ABC Aventure se trouve dans la poche objet rare de votre sac. Vous pouvez le consulter à tout moment, à loisir, pardon. Alors après, il y a un temps d'adaptation forcément avec les touches. Tac. Potion, on va peut-être pas les utiliser. Ah, utiliser. Ouvrez le menu principal avec le bouton X. Via le menu, vous pouvez sauvegarder, blablabla. Ouais, mais ça, d'accord, ok, j'ai compris. Canne à pêche. Alors la sauvegarde. Alors ça c'est un petit peu chiant. Il n'y a pas la possibilité de sauvegarder plusieurs parties. On n'a pas la main mise sur la caméra. C'est pas grave. Alors. Allez rejoindre Nabil.
Après, il y a des textures qui sont relativement dégueulasses aussi au sol. Même si, dans l'ensemble, si on regarde pas de près, ça reste joli, hein, mais c'est pas non plus un truc de fou. Et j'ai envie de dire que venant de Game Freak, ça c'est pas très étonnant non plus. Tiens, un mouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Eh oh, elle t'a rien fait, la barrière. Pas besoin de lui donner... Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sipoud. Moumou! Allez, on fait la course jusque chez moi. Le dernier arrivé est une escargome. T'y ressembles déjà pas mal avec ta valise, là. T'as emporté toutes tes affaires ou quoi? Moumou. La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats, c'est fou. Donc on voit aussi qu'il y a quand même... ça pop énormément et très très près, donc... ouais, boum boum. Et puis ça aliase énormément au loin. Ah, je peux vraiment rentrer à l'intérieur des baraques. Ah bah c'est pas ce qu'il fallait que j'y aille. Man, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Aliolia est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin? Il n'est pas encore là. La patience n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Ah ouais. Ah ouais. Faut vite qu'on aille le chercher, alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Aiolia, t'as jamais rencontré mon frangin? Tu viens avec moi? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Allez, viens, enfonce. Fais juste gaffe, Aiolia. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton. Je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon, donc t'approche pas trop des hautes herbes. Ok, donc on va éviter de s'approcher des hautes herbes. Et non pas des grosses herbes, ce qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu veux, Nabil? Viens, on va accueillir mon frère, il suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare. Ben, suis-moi. Il a vraiment une dégaine de merde quand même. Je veux pas dire, hein, mais... Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ses terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Draco Feu Power. Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Draco Feu peu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les être entraînés. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fan de toi, Tarak. On rêve tous de t'affronter.
Mais Dracaufeu est carrément trop fort pour nous. Je ne sais pas qui parle, donc je prends au pif. Hein. C'est vrai que Dracaufeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one. Mago. Vous apprécierez mon imitation de Draco, hein. Roger. Ah, Nabil. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi. T'as au moins gagné 3 cm facile. Arrête de me charrier, frangin, je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Iolia, je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak l'invaincu. Je suis le maître de Galar et j'adore les Dracaufeu, enchanté. Ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison? Ah là là, ce Nabil, il est toujours autant l'esprit de compétition à ce que je vois. Il a toujours l'esprit. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde et n'oubliez pas, Dracaufeu Power! Ouais. Alors Frangé, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Iolia. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Battez un peu ça les Minus, vous allez en prendre plein les yeux. Admirez un peu le choix. Le Pokémon plante, Whistampo, le Pokémon feu, Flambino, le Pokémon eau, Larméléon. Ils sont tous un peu peureux du coup. Ok, revenez ici. Alors, vous voulez lequel? Bonne question. J'ai toujours été un petit peu plus proche du feu. Vas-y, choisis en premier. Moi, j'ai déjà mon mouton. Donc je vais prendre le feu vu, du coup. Flambino est de type feu. Tu vois la flamme qui brûle dans ses yeux? Tu veux Flambino, le Pokémon de type feu? Ouais. Vous avez choisi Flambino. Voulez-vous donner un surnom à Flambino? Est-ce que je mets oui ou non? Flambilia, Flambino mixé avec Iolia, c'est pas beau ça? Allez, Flambilia. Flambilia a rejoint votre équipe. Tu pars sur Flambino? Très bon choix. À mon tour, Whistampo, je te choisis. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf tous les deux. Je compte sur toi.
Bien dit, Nabil. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à Aiolia et toi, et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Le pauvre Ucrust. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Dracaufeu t'apprendra le métier, tu vas voir. Il est aussi puissant qu'il est gentil. Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vos Pokémon. Des brochettes. Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance? Carrément! Flambino est déjà super fan d'Aiolia, ils sont inséparables. Ah cool, vous avez donc déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur. Son Pokémon, la confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent, Dracaufeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, y a aucun doute. Mais en attendant, Aiolia fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, t'es un dresseur. T'es dresseur, je veux dire. Il y a un entraînement à suivre avant. Faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement, et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux pour la pratique que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie? Oui, youpi. Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaissez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là, alors go. J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous ses bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait, je vais forcément gagner. Nabil le dresseur veut se battre. Nabil le dresseur envoie le mouton. Flambilia, go! À l'attaque, fais gaffe, j'ai deux Pokémon. Alors, c'est là maintenant qui tu viens, c'est les animations sur les attaques. Charge. Flambilia utilise charge. Bon, ça déjà, ça me rassure. Il y a une attaque. Le mouton est mis. Oh! Attaquer, on va faire rugissement. Flambilia utilise rugissement. Est-ce qu'il a peur ou pas? Ouais, ça a marché. L'attaque de mon mouton est mis basse. Bon, il va gagner quoi. Flambilia utilise charge. J'ai gagné. Le mouton ennemi est KO. Votre Pokémon a gagné des points d'expérience. Montée de niveau. Ah, je suis niveau 6 déjà. Il apprend Flamèche. Youpi. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve. Nabil le dresseur. On voit Wistempo. Wistempo, tiens, ça j'aime bien ça. Flamèche. Ah, il y a la description. Deux. Ah oui, oui, tu m'étonnes. Quoi? Tu as déjà compris les affinités de type? Eh oui. Wistempo ennemi utilise griffe. Alors, si on met description,
l'ennemi est attaqué par une faible... Ok, d'accord. Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de l'ennemi. Ok, allez. C'est parti. C'est super efficace. Louis, tempo ennemi est KO. Votre Pokémon a gagné des points d'expérience. Boum, niveau 7. Vous avez battu Nabil le dresseur. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon. Eh ben, vous êtes balèze, Flambino et toi. Aiolia remporte 400... proutes. C'est de l'argent de Pokémon, les proutes. J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frère ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un super combat, vous avez tout donné à et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Dracaufeu tellement ça avait l'air bien. Bref, après l'effort, le réconfort, venez ici que je soigne vos Pokémon. En tout cas, Aiolia, tu as du talent, tu seras un rival parfait pour Nabil. Frangin, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes ? Ça c'est bien mon petit frère, tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes ? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar, c'est un peu tôt, non ? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable de dresseur, car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex, bien rempli, ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, Aiolia ? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée, je vais prévenir le professeur de votre arrivée. Compléter le Pokédex sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. Ah merde, j'ai cru que c'était un hack. J'écris mon histoire page après page. Oublie pas d'aller... dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Voilà, donc du coup, on a fait le premier combat. Ouf, blâme, qu'est-ce qui se passe ? Hé, Aiolia, t'as entendu ça ? Regarde, c'est ouvert, il est passé où le moumouton qui était devant ? La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière. Oh, mais tu crois qu'il y est passé ? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée ? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Complètement d'accord, on peut pas juste l'abandonner et faire genre on n'a rien vu. Bon, c'est décidé, on va le sauver. Eh bien c'est parti, nous allons sauver le moumouton. Forêt de Sleepwood. Où est passé le moumouton ? Il y a de la brume en plus, il faut vite retrouver ce pauvre pépère. Pokémon. Qu'est-ce que c'est ? Un rond gourmand. Comme il y a go. Normalement, il va mourir tout de suite. Même pas. Coup critique. Ah bon ? Petits points d'XP. Alors, qu'avons-nous là ? Oh, un mini singe cuicui. Oh, l'équipe est tendue. Pourquoi elle est tendue ?
Oh, oh. Oh, c'est la défense. Ah, pas grave. Bon, ça va pas donner beaucoup d'XP tout ça, hein. C'était quoi ça? T'as entendu? En fait, dès que tu mets les pieds dans les hautes herbes, il y a direct un Pokémon. Il y a 19 là pour le coup. Dépêchons-nous, Yolia, je me fais grave du souci pour le moumouton. Vas-y, Molo. Il y a un sacré brouillard. Hein. Franchement, cette brume m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Oh oh. Ah, c'est quoi ce truc? Wold. Je sais pas ce que c'est. Apparaît. Ok. Le Pokémon mystérieux vous regarde. C'est quoi ce délire? La capacité n'a eu aucun effet. Incroyable, comme si les attaques n'avaient aucun effet sur lui. Ayolia, on n'y voit plus rien, ça va? On n'y voit plus rien. Ah ! Cri d'effroi. Nabil et Ayolia. Frangin, comment tu nous as trouvés? T'as zéro sens de l'orientation. Ah bah d'accord, dire que je me faisais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu trois plombes, hein, mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Moumouton. Les bois, on doit le sauver. Bouh. T'inquiète, il va bien. Pas comme vous, quand j'ai débarqué, vous étiez par terre complètement KO. Ça va pas à la tête. Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y a pas à dire, je suis quand même fier de vous. C'était courageux de votre part. Ouf, on ne se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre comme contre un drôle de Pokémon.
on se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un troll de Pokémon pour rien. Ok. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé, je l'avais jamais vu avant, et impossible de le toucher, les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient au travers, tu dis? Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleepwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait. Qui sait, si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Moi, je dis, on a plutôt assuré. C'est pas mal du tout comme début d'aventure. Même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin. On va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-moi quand t'auras prévenu ta mère qu'on part à Brasswick. Allez, c'est parti. Flamme, qu'il est mignon, ce petit flambino. Tu as très bien choisi, mon chéri. Au fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route, tiens. Comme ça, tu pourras t'acheter des potions ou d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Flambino va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui. Bino! Mon joli petit Flambino, je te confie à Yolia. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. C'est maman, toujours prévoyante. Et toujours dans la cuisine aussi. Telle est la vie dans Pokémon épée et bouclier. Quel adorable petit partenaire tu as là. Vous formez un joli duo. Ok, bon, ils sont pas là, je présume. Bon, il faut savoir que je joue au jeu avec la manette pro hein, de la Switch. En avant, c'est le premier pas sur la route qui nous mène au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec Wistampo. On se retrouve plus tard. Ah, et oublie pas de passer au laboratoire Pokémon, tu sais, c'est le bâtiment là-bas. Avec le toit violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball au-dessus, tu peux pas le louper. Oui, mais moi j'ai aussi envie d'aller m'entraîner dans les hautes herbes. D'ailleurs, il y a une... Boum. Il y a une petite Pokéball là-bas. Un mini-sange apparaît. Sauvage apparaît. Bambiliago. Boum. Pokéball, un objet semblable à une capsule qui capture les Pokémon sauvages. Il suffit pour cela de le lancer comme une balle. Vas-y, on va voir, on va tester. Hein. Utiliser une Pokéball. Bloop. 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 Yeah! Et hop, vous avez attrapé Mini-Sange. Ouais, hop, un peu d'XP. Voilà, parfait. Vous donner un surnom? Ouais, non, c'est bon. Mini Sange a rejoint votre équipe. Youpi! Vous trouvez une potion. Ah, c'est une potion, d'accord. Je vais tester le mouton. Un mouton sauvage apparaît. En sachant que j'ai 3 Pokéball, on va peut-être éviter de tous les choper quand même.
C'est pas grave, allez, on va le tuer, le mouton. Bon alors, vous trouvez là au-dessus, j'ai le menu, le comment, le contrôle parental qui s'est activé en fait. Mon fils avait tendance à un petit peu trop jouer à Fortnite, donc du coup je lui avais limité à une heure, sauf les jours où il n'y avait pas école et puis qu'il pouvait jouer, quoi, donc les week-ends. Eh, Flambilia qui monte niveau 8, Mini-Sange qui passe niveau 5. Il apprend vive attaque. Ok, j'ai pas fait gaffe. Mini-Sange monte niveau 5. Ok, c'est Flambilla qui a ta... qui chope un truc. Là, il y en a. Et Mini-Sange, il apprend arrogance. Bon, après... Antipara, ok. Un médicament sous forme de spray soigne un Pokémon de la paralysie. Ok. Tiens. Ouh, ça, un Moupilou sauvage, à part ça, ma fille, elle va adorer. Elle est au taquet avec les renards, les chevaux. Donc ça, il va aimer. Il va attaquer, ça va faire quoi? Si, ah, quand même. J'ai eu un petit peu peur parce que j'ai vu des vidéos, des gifs plutôt, sur les attaques et tout ça, et ça faisait quand même un peu flipper. Et finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Genre le Flambino là qui... Merde, je l'ai tué. Oh merde. Oh, je suis deg. Je l'ai tué. Et en fait, j'avais justement le Flambino en vidéo et il se faisait que sauter sur place pour attaquer en fait. Tac, allez, je vais essayer de le choper sur la par contre. Oh merde. Oh non. Vieil écureuil de dôme là. Oui, non, les animations de combat et tout sont là et j'avais peur qu'elles n'y soient pas. Et franchement, c'est plutôt agréable. Ça aurait été quand même une déception de que les combats se passent comme je l'ai vu. Avec un Flambino qui ne fait que sauter et qui reçoit une attaque. Alors après, effectivement, techniquement, j'ai vu des choses relativement moches avec les textures au sol, par exemple, que l'on peut voir. Donc c'est vrai que si vous regardez de près, c'est franchement pas terrible au niveau des textures. Mais par contre, dans l'ensemble, c'est plutôt joli, même si ça, il y a une pointe de, je sais pas si c'est du scintillement ou de l'aliasing qui apparaît, mais sinon ça reste raisonnable au niveau technique. Hein. Allez hop, une petite. Ah merde, il n'est pas encore violet. Orange, je veux dire. J'hésite. J'espère que ça va pas le tuer. Ok. Allez, petite Pokéball. Est-ce que ça va marcher? Book. Book. Yes. Et hop, vous avez attrapé un Moupilou. Non, c'est bon. Voilà. Bon, bah écoutez, on va dire que c'est bon. Bon, par contre, il y a quand même énormément de choses qui pop. Hein. Vous voyez, les trois personnages là-bas à droite, là. Pouf, pouf. Et puis au loin, ça aliase quand même énormément. Hein. Donc vraiment, c'est pas le jeu qui exploitera les capacités de la Switch au mieux, hein. Très clairement. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi je me perds tout le temps. T'as vu, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je retrouverai mon chemin sans Dracaufeu. Enfin bref, entrons. Bah...
ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres. Passionnant sur tous les sujets. Roule tout. Oh, ce truc. Un joli petit caniche. Tarak, me dis pas que t'es encore venu me demander des infos sur les Pokémon. Les plus forts de la région ou je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire, moi. Ça me fait plaisir de te voir, Voltoutou. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoutou. C'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, la rouquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse et j'adore ses petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens, sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Je te signale que si Voltoutou vient te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Bref, enchanté, je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Sonia, je te présente à Yolia. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur, je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petits plats. Non mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Hé, tu as déjà un Moti Smart à ce que je vois. Comment ça va, Motisma? Moi, Motiti. C'est trop pratique, le Moti Smart, avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais Tara qui arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Qu'est-ce que je dis? Pas trop, non? T'en fais pas, ça va aller. Je vais commencer par te donner accès au Pokédex sur ton Moti Smart. Vous avez désormais accès au Pokédex. Au fait, le Pokédex est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant. Elle habite au bout de la route 2. Hello à toi, jeune dresseur. Pardon, je te coupe de ton élan, mais tu viens de sortir du laboratoire Pokémon, donc ça veut dire que tu as un Pokédex. Et ça tombe bien parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Fuyez s'il y en a un qui vous dit ça, sérieusement. Tu es un enfant, un monsieur vient te dire « Et ça tombe bien parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. » Fuyez, vraiment. S'il vous plaît, c'est dangereux là. Vous recevez une potion. C'est pas des potions qui vous donnera dans la vraie vie. Pas du tout. Vous mettez la potion dans la poche soin. C'est pas dans la poche soin qui va vous la mettre. Tiens, prends cette potion. Quand les PV ou points de vie d'un de tes Pokémon sont dangereusement bas et que sa santé vacille, hop, une potion et ça repart. Tu peux utiliser les potions en plein combat aussi. Un autre conseil, si je puis me permettre, la connaissance c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu croises sur ta route. Il est bien serviable ce monsieur-là. Merci monsieur. Alors, au bout de la route 2. Sonia m'a filé un Pokédex, c'est trop la classe. C'est pas trop la classe, ça? On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe de tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater, ils se ressemblent tous. Allez, viens, Yulia, on va aller jeter un œil. Tu.
Au fait, Ayolia, c'est ta première fois dans un centre Pokémon. Oui. T'inquiète, je vais t'expliquer. Tout d'abord, voici l'infirmerie. N'hésite pas à aller lui parler, elle soignera ton équipe gratuitement. Il y a aussi un ordinateur à disposition où les Pokémon que tu captures sont stockés. Tu peux voyager qu'avec 6 Pokémon sur toi, donc c'est bien pratique. Ils vendent aussi des potions à la boutique Pokémon, ça aide bien. Vous êtes dresseurs les jeunes? Pensez à faire le plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Ayolia, va faire soigner tes Pokémon si nécessaire, et retrouve-moi sur la route 2. C'est bizarre, il a parlé de là, l'infirmerie, là pour acheter des potions. Et là, c'est juste pour te bourrer la gueule. Mais il a pas dit. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe? Oui, madame. Très bien, confiez-moi votre équipe un instant. Merci d'avoir attendu, votre équipe a retrouvé la santé. A bientôt. C'est bon ça. Merci madame. Dis Ayolia, maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes, non? Ah oui, ça. Sérieux, tu connais pas? Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Mais il faut une lettre de recommandation pour pouvoir y participer. Vu que Tarak nous traite de Minus, je pense qu'il voudra nous aider. Je pense pas qu'il voudra nous aider, pardon. Je pensais à aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, non? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. La prof habite tout au bout de la route 2. On pourra en profiter pour entraîner notre équipe en chemin. C'est parti, let's go. Hé, Ayolia, viens par ici, j'aimerais te parler d'un truc. Je me disais, ce serait peut-être bien d'attaquer quelques Pokémon, non? Hein? Eh oui, les Pokédex ne vont pas se remplir tout seuls, les Minus. Frangin? Ah, mais je vois que t'es déjà pigé le truc, bien ouais, Ayolia. Je parie que c'est ta mère qui a été prévoyante en te donnant de quoi en attraper. Je vais vous filer des Pokéballs, tiens. Faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout dans le coin, ça grouille de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur à aimer. Va à Pokéball, il nous a donné, c'est sympa. Vous mettez les Pokéballs dans la poche, Pokéball, c'est bien. Cool, cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en attrapant des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, c'est décidé, je vais attraper un max de Pokémon, la prof va être bluffée. Allez, c'est parti. J'ai eu quoi là? Encore un écureuil? Ah non. Lavada. Aïe. Je viens de me tuer l'oreille en tapant dans mon casque. Bon, ok. La Madar, c'est de la double. Pouf. Ah oui, c'est des lapins écureuils, je sais pas quoi là. Ça a pas enlevé beaucoup, dis donc. Ouf. Je vais l'attraper lui, je pense. Merde, c'est pas Vivata que je voulais utiliser. C'était ça que je voulais utiliser.
coup, ça va peut-être le tuer en plus. Non, ça va. On va le choper, il était pas mal fort. Là. Poup. 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 Cling. Yes. C'est validé. Un rond gourmand. Ah. Les données du rond gourmand ont été ajoutées au Pokédex. Alors, type normal, on le trouve partout à Galar. S'il n'a pas de baie en réserve dans ses deux joues, il devient anxieux. Voulez-vous donner... Non, c'est bon. Attends, parce que... Alors déjà, on va sauvegarder un coup. Cadeau mystère, qu'est-ce que c'est ? Bon, il y a tout un tas de paramètres, etc., je présume. Vitesse des textes. Normal, c'est déjà pas mal. Animation des combats, oui, avec, parce qu'en fait, les petits malins qui ont partagé des vidéos ont mis sans animation, évidemment, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Choix défini, bon, bref, vous avez plein de... Mode simplifié. Donc méfiez-vous. Oui, le jeu est pas super beau quand on regarde un petit peu de près les textures, etc. C'est plat, c'est avec une résolution qui n'est pas excès, qui n'est pas ouf, qui n'est pas dingue sur les textures, je veux dire. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même sympathique. C'est vrai que si, si on fait pas trop attention aux détails, ça reste relativement plus bon, je sais pas, mais... Et ça reste suffisant, on va dire, pour le style. Même si ça sera pas le canon de beauté, hein, ça c'est clair. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un sacré pas. Et une petite Pokéball. Ayata! Le chat crippant est dans la boîte. Les données du chat crippant ont été ajoutées au Pokédex. Donc c'est un type ténèbre. Il vole les biens des personnes rien que pour voir leur visage désemparé. Son plus grand rival, un goupilou. Et goupilou, son plus grand rival est goupilou. Putain, je vais y arriver. Non, c'est bon, chaque réponse est pas mal. Bon, ça a l'air d'être un Pokémon plutôt cool celui-là, vu qu'il est de type ténèbre. Ah, un Pokémon, un dresseur de Pokémon enfantin est là. Mais alors, espèce de sale gosse, que je te tape la tête. T'es dingue ? Je te regarde, tu me regardes, alors en garde! Christopher le gamin veut se battre. Christopher le gamin envoie un rond gourmand. Pour le go. Il me manque plus qu'une place, j'ai plus qu'une place du coup. Flamèche. Il a brûlure, ouais, il est brûlé. Oh, ça va faire mal, ça, dis-moi.
Il est toujours pas mort. Il est calme quand même. Il avait qu'un Pokémon, Christopher le gamin. Pourquoi il faut toujours que je croise le regard de gens plus forts que moi? Ayolia remporte 300 prout. Merci gamin, salut gamin, au revoir gamin. Deux potions. Merde, j'ai touché le petit oiseau. Pardon, après avoir rencontré un gamin et battu un gamin, je dis que je viens de rencontrer un petit oiseau, c'est pas très beau. On va un peu utiliser de la charge. Et youpi ! Aiguisage. Eh bien écoutez chers amis, ça fait déjà une heure que l'on joue à Pokémon épée. La version bouclier c'est la même avec un Pokémon différent, je sais pas exactement les différences entre les versions, mais bon ça m'a toujours échappé parce que je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça. Une chose est sûre, c'est que je suis heureux, très heureux d'avoir un Pokémon, un vrai RPG Pokémon sur une console de salon Nintendo. Ça faisait très longtemps que j'attendais ça et du coup je suis content. Parce que pour moi c'est le premier, je suis pas très console portable, donc du coup c'est une satisfaction pour moi. Ce jeu est plutôt joli dans l'ensemble, hein. On voit, bon, voilà, ça aliase énormément au loin, c'est flou, etc. Donc c'est pas le plus beau jeu de la Nintendo Switch, clairement, et de très loin. Dans le style open world, Zelda est quand même largement au-dessus. Pour donner exemple, hein. Les textures sont pas toujours très très jolies, mais dans l'ensemble, vous voyez, ça reste quand même sympathique à regarder. Voilà, c'est pas un foudre de guerre. J'avais peur au niveau des animations, mais finalement tout va très bien. Les animations en combat sont là. C'est juste qu'il y a certains petits malins qui décident de casser un peu le jeu, ou Game Freak, j'en sais rien, vu que c'est un petit peu du genre mou du. Je vais te montrer qu'on peut être à la fois forte et élégante. Je vais pas valider tout de suite. Donc du coup voilà, donc Pokémon épée ou bouclier, pour le moment ben, ça fait une heure que je joue, donc forcément j'ai pas d'avis à donner. Certainement que ceux qui ont l'habitude de jouer au RPG Pokémon auront plus de poids par rapport à ça. En tout cas pour le moment je suis content parce que j'ai le Pokémon RPG que j'attendais sur une Nintendo Switch. Alors évidemment il n'y a pas tous les Pokémon, il n'y en a que 65% je crois, un truc dans le genre, donc du coup forcément il n'y a pas tout le monde, ce qui est dommageable. Maintenant voilà, je suis quand même content d'avoir un vrai RPG Pokémon sur une console de salon Nintendo, salon hybride portable, donc bon, enfin bref. Du coup je suis content, je pense que je vais bien aimer jouer dessus. Sur ce, je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker la page YouTube, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker la vidéo, commenter, poser vos questions si vous le souhaitez. Et puis vous avez les liens dans tous les liens dans la description pour les réseaux sociaux, ainsi que pour les cartes prépayées moins chères sur Xbox Live PSN. Voilà, je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre jeu. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà sur quel jeu la vidéo va se passer. Voilà, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine, salut, ciao ciao.
Lisa, la fillette, veut se battre.